Alors, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire qui prend place ce soir à l'intérieur de la 7e saison des figures marquantes, laquelle est consacrée aux hommes et aux femmes qui ont défendu ou incarné ce grand idéal qui nous est cher, qui nous est tous très cher, la solidarité. Or, sans nul doute, la figure marquante de ce soir, une femme d'action, a incarné cet idéal. Il s'agit de Charlotte Tassé, qui est née à Saint-Georges-d'Henriville, dans la vallée du Richelieu, en 1893, et qui est décédée à Montréal en 1974. Décédée dans l'anonymat, dans l'oubli, sauf quelques rares spécialistes, elle est complètement tombée dans l'oubli, et pourtant, les professionnels du secteur de la santé lui doivent beaucoup. On peut dire que parmi ces grands legs, il y en a deux qui ressortent, qui sont très importants. Premier héritage, l'Institut Albert Prévost, qui a été fondé en 1919, non pas par elle, mais par Albert Prévost lui-même, un neurologue, qui avait fondé ce sanatorium d'un genre un peu spécial, qui accueillait des gens qui avaient des fatigues ou qui avaient peut-être des déficiences intellectuelles, des problèmes mentaux, mais il s'agissait davantage de les observer que de les enfermer. Et donc, elle a été embauchée par le docteur Prévost, et le docteur Prévost étant mort prématurément, elle est devenue le pilier de cette institution, l'âme de la maison, comme on la surnommait à l'époque. Et c'est elle qui a assuré la pérennité de cette institution, qui est allée chercher le financement pour donc assurer la pérennité. L'autre grand legs de Charlotte Tassé, c'est la formation des infirmières. Elle-même, très tôt, va recevoir une formation assez unique pour une femme de sa génération. Elle va aller compléter sa formation à New York. Et lorsqu'elle va revenir de New York, juste après la Première Guerre mondiale, elle va s'intéresser à ce métier, à cette profession. Elle va vouloir lui donner ses lettres de noblesse. Elle va participer à des congrès internationaux de garde-malade, comme on les appelait à l'époque. Elle va diriger une revue, la garde-malade canadienne-française. Elle va aussi créer une école spécialisée durant les années 50 qui va tout de suite connaître un grand succès. Donc, pour nous parler de cette femme d'exception, malheureusement oubliée, eh bien, nous avons invité un chercheur qui s'est spécialisé dans qui est un historien spécialisé dans la psychologie scientifique. Il mène en ce moment des recherches sur le processus de désinstitutionnalisation, vous savez, au plan psychiatrique, grand phénomène des années 60. Il s'est donc beaucoup intéressé à l'histoire de l'Institut Albert Prévost. Il est présentement professeur à l'Université d'Ottawa. Me fait plaisir d'accueillir pour vous M. Alexandre Klein. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. J'ai dit, pour vous présenter, que vous aviez étudié la psychologie scientifique. Donc, vous avez commencé à étudier ça en France, je crois. Ensuite, vous avez étudié ça au Québec. En gros, là, l'image qu'on se fait de la psychiatrie ou de la psychologie, ou surtout de la psychiatrie, c'est que avant la Deuxième Guerre mondiale, on les enfermait tous. Et on pense évidemment à un cas comme Émile Néligan, mais il y en aurait plusieurs autres. Et on les enfermait tous, sans distinction, on les écartait. Mais si j'ai bien compris, c'est un peu réducteur comme vision. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, là, on a commencé à faire des distinguos, à mieux classer les différentes maladies. Mais ce serait une vision un peu simpliste, mais qui habite notre mémoire collective. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup cette idée de l'histoire de la psychiatrie comme l'histoire de la prise en charge de la folie, l'histoire de la prise en charge de ces fous qui sont dangereux, dont on a peur, et donc on veut les mettre de côté. On les enferme dans des asiles. Souvent, on aurait tendance à leur faire subir des traitements qui sont un petit peu difficiles. Puis en fait, c'est une réalité. On a mis de côté des gens qui étaient dangereux et qu'on considérait comme dangereux. Et parfois, on leur a fait subir des choses qui étaient violentes. Mais en fait, quand on se plonge dans cette histoire-là de la psychiatrie, on se rend compte que c'est une infime partie des gens qui ont été pris en charge. Et qu'en fait, derrière cette histoire-là, il y a toute une histoire de la santé mentale en général, donc de toutes ces fatigues, de tous ces moments où les gens ont des creux dans leur vie et qui vont être pris en charge, bien sûr, dans des asiles, dans des lieux d'enfermement à l'extérieur des villes souvent,
mais aussi dans des lieux beaucoup plus accueillants, dans des lieux beaucoup plus temporaires aussi, où les gens ne sont pas enfermés, ils rentrent, ils sortent, dans des hôpitaux qui sont différents. Et donc, il y a tout un panel, il y a toute une offre de soins de service dans l'histoire, et en effet, qui ne répond pas à cette séparation de la première moitié du XXe siècle ou de la deuxième moitié du XXe siècle. Dès le XIXe siècle, on va offrir différentes formes de traitement, on va s'intéresser à classifier les différentes maladies pour leur permettre d'avoir des traitements adaptés et donc des lieux de prise en charge qui sont aussi adaptés. Et après la deuxième moitié du XXe siècle, il y a encore des gens qu'on enferme aussi et qu'on enferme dans des asiles pour les mettre de côté. Donc l'histoire est en effet un petit peu plus complexe que ça. L'histoire est un peu plus complexe, mais elle a été écrite peut-être par des gens qui... donc la mémoire, mais l'histoire même a été écrite par des gens qui, eux, étaient contre en fait, ces processus d'enfermement. Et peut-être que ça peut expliquer pourquoi une femme comme Charlotte Tassé, qui est liée à cet ancien régime, enfin perçu comme tel, là, à cette ancienne époque où, avant donc la désinstitutionnalisation, la révision de toutes ces perspectives-là, on a l'impression qu'elle est peut-être passée à la trappe à cause de ça aussi. Oui, clairement. Clairement, Charlotte Tassé, elle a été, sans mauvais jeu de mots, tassée et par les gens de l'époque et par l'histoire ensuite, mais aussi parce que c'est les mêmes personnes qui l'ont mise de côté dans les années 60 qui ont ensuite écrit cette histoire-là, en disant qu'en effet, la prise en charge telle qu'elle existait dans la première moitié du XXe siècle au Québec, elle n'était pas adéquate, elle n'était pas assez scientifique, elle n'était pas assez professionnelle, et que donc on devait notamment y inclure plus de psychiatres, et que les infirmières, elles ne devaient pas être à la tête des institutions, elles ne devaient pas diriger les institutions, elles ne devaient pas diriger les soins, mais elles devaient revenir à leur statut de subalterne, donc obéir aux médecins et notamment aux psychiatres, qui eux devaient diriger les institutions. Et donc il y a eu ce mouvement dans le Québec des années 60 de reprise en main de la psychiatrie par les psychiatres, en fait, alors qu'avant il y avait différents types d'acteurs, et ça a conduit notamment à la mise de côté de Charlotte Tassé. Charlotte Tassé, à qui vous avez consacré quelques articles, et donc vous avez découvert comment l'avez-vous découvert, comment en avez-vous à reconnaître sa contribution, comment ça s'est passé? Oui, alors c'est ça qui est intéressant dans ce personnage, c'est que paradoxalement, elle était connue. Alors, c'est-à-dire que son nom, parmi les spécialistes de l'histoire infirmière, on l'a croisée par-ci, par-là. On voyait qu'elle avait une importance dans l'histoire des soins d'infirmiers parce qu'on l'a croisée dans différents ouvrages d'histoire des soins d'infirmiers. Puis on l'a croisée aussi, mais en effet, souvent vue de manière assez négative, dans des grands ouvrages d'histoire de la psychiatrie. Donc son nom était là. Et puis, ce qui a attiré mon attention, c'est que je me suis rendu compte qu'elle était partout, mais que personne ne s'était intéressé à elle. Et qu'il y avait forcément un peu plus à en comprendre, un peu plus à en savoir. Et c'est aussi que j'ai été attiré par cette voie-là parce que je me suis intéressé à un autre personnage important de l'époque, dont on aura, j'imagine, l'occasion de parler, et que vous connaissez toutes et tous, qui s'appelle Camille Lorrain. Oui. Et il y a eu un grand conflit entre ces deux personnages. Et donc, faire l'histoire de Camille Lorrain, s'intéresser à l'histoire de Camille Lorrain, ou s'intéresser à l'histoire de la psychiatrie, ou des sciences infirmières, ça m'a amené de toute manière à croiser Charlotte Tassé. Et donc j'ai été creuser et l'histoire de Camille Lorrain, mais surtout le personnage de Charlotte Tassé, parce que c'est un personnage très important et absolument méconnu de l'histoire du Québec. Et quand on vous lit, on a l'impression que vous faites un vrai travail, évidemment, d'historien rigoureux, basé sur des archives, mais on sent que le citoyen, vous voulez lui redonner un peu plus de place, vous souciez de sa mémoire. Alors c'est peut-être, en effet, c'est peut-être aussi une question d'attachement, c'est-à-dire que quand on travaille sur un personnage pendant plusieurs années, on s'y attache, puis Charlotte Tassé, elle est attachante comme personnage à beaucoup d'égards, mais c'est aussi qu'en creusant ses archives, en allant voir dans son institution, donc l'Institut Albert Prévost, les traces qu'il y avait, je me suis rendu compte qu'il y avait une injustice à cet égard, parce que c'est une femme qui a fait beaucoup et dont le nom a été oublié, mais aussi mis de côté. Donc, en effet, il me semblait que c'était de mon rôle, pas de citoyen peut-être, mais aussi d'historien, de remettre sur la table cette histoire-là et de montrer que l'histoire telle qu'elle a été écrite, en fait, elle a été écrite peut-être de manière partielle, ce qui n'est pas forcément un problème, mais à partir du moment où ça devient une injustice, alors c'est peut-être plus délicat. Et donc, en effet, j'ai essayé d'œuvrer, mais aussi parce que j'ai été au contact des gens de sa famille, parce que j'ai rencontré des psychiatres qui travaillent aujourd'hui encore à l'Institut Albert Prévost, puis qui ont découvert cette histoire-là, puis qui disaient « mais c'est absolument incroyable ». Que cette personne ne soit pas reconnue pour ce qu'elle a fait. Et donc, ils ont aussi, les gens de sa famille ou les psychiatres d'Albert Prévost, travaillé derrière moi, en fait, en utilisant mes travaux pour dire il faut qu'il se passe quelque chose, il faut que cette personne soit reconnue à sa juste valeur. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on sait des origines sociales et familiales de Charlotte Tassé? Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, Charlotte Tassé, elle est née dans une ville qui s'appelle Saint-Georges-d'Henriville à l'époque, qui aujourd'hui s'appelle Henriville,
qui est dans la vallée du Richelieu, à quelques dizaines de kilomètres à peine de la frontière avec les États-Unis. Et elle vit dans une famille très canadienne-française, une grande famille. Elle a une famille de 11 enfants, dont tous ne survivront pas, parce que c'est aussi la fin du 19e siècle. Et une famille quand même aisée, donc qui vit dans un petit village assez campagnard, mais assez aisé parce que le père de Charlotte Tassé a hérité de terres de son propre père qui était médecin, et donc il vit bien, la famille vit bien. Et donc Charlotte Tassé, elle naît dans cette famille, qui est une famille canadienne-française assez typique, mais néanmoins assez favorisée d'un point de vue socio-économique, et donc elle a des libertés peut-être que d'autres familles n'auraient pas ailleurs dans le Québec. Et donc elle va pouvoir suivre une éducation non pas seulement primaire mais aussi secondaire, et ensuite aller se former dans des écoles pour devenir infirmière, ce qui n'était pas le cas de toutes les familles canadiennes françaises de l'époque. Est-ce qu'on a conservé, est-ce que c'était une élève douée, est-ce qu'on a conservé des bulletins? Alors j'ai pas encore dans mes recherches retrouvé des bulletins, mais elle a étudié chez les religieuses de la Présentation de Marie, qui avait ouvert un couvent à Henryville très très rapidement après la création de la ville. Donc elle va étudier là, puis ensuite elle va partir se former dans le couvent de Roxton Falls dans les cantons de l'Est, toujours auprès de la même congrégation, une congrégation qu'on dit rigoureuse, qu'on dit sévère, mais qui forme des femmes au caractère bien trempé, c'est ce que les commentateurs de l'époque racontent, et en effet Charlotte Tassé va hériter de ça. Donc on ne sait pas si à ce moment-là c'est une bonne élève, mais on sait que c'est une très bonne élève ensuite, quand elle va commencer sa formation d'infirmière ici à Montréal. Justement, alors, donc elle intègre, c'est ça, elle fait cette formation à l'hôpital Notre-Dame. Mm-hmm. Alors, parlez-nous un peu de cette profession. Au moment où Charlotte Tassé suit sa formation de garde-malade, aujourd'hui, il m'arrive par inadvertance, je m'en excuse s'il y en a dans la salle, de sortir ce mot, et à chaque fois, je me fais dire par ma femme que c'est un mot à proscrire. Donc, sa formation d'infirmière en 1914. Mais parlez-nous de cette profession à ce moment-là, en 1914. Oui. C'est une profession qui, en effet, peut s'appeler aussi infirmière. En France, on appelle ça des infirmières, on appelle ça des nurses dans le Canada anglais. Il va y avoir même des débats au sein de la profession dans le Canada français pour choisir quel terme les représente mieux. Puis elles vont choisir volontairement garde-malade comme un signe de fierté. Donc on peut conserver. Ah bon ? À ce moment-là, oui, tout à fait. Il y a vraiment des débats linguistiques pour savoir quel nom doit être conservé. Et donc c'est une profession qui est en train de se construire. Alors évidemment, les soignants, les soignantes, femmes, les gardes-malades existent depuis longtemps d'une certaine manière. Elles existent peut-être depuis Jeanne Mance. Et elles ont marqué l'histoire, évidemment, du Québec. Mais c'est une profession qui est en train de s'organiser, dans le sens où on se rend compte, à la fin du 19e siècle, qu'il faut que ces soignantes-là bénéficient d'une formation peut-être plus organisée, plus encadrée, que le travail qu'elles fournissent ensuite à l'hôpital soit mieux régulé aussi. Et donc, on voit apparaître un certain nombre d'écoles, d'abord du côté anglophone, et puis ensuite du côté francophone. Et donc, ce qui est intéressant avec l'école que choisit Charlotte Tassé, est-ce qu'elle l'a choisie parce que sa sœur Liliane y est allée juste avant elle et qu'elle la suit là-dedans, ou parce que... Est-ce que c'était la seule école Alors, ce n'était pas exactement la seule, mais c'était la première école de garde-malade francophone. D'accord. Voilà, c'est, et il me manque un mot là-dedans, la première école de garde-malade francophone laïque. Oui. Parce qu'il y avait à ce moment-là deux voies pour devenir une garde-malade laïque, ou devenir une religieuse hospitalière. Ah oui, c'est vrai. Et donc, ne choisissant pas la voie religieuse, Charlotte Tassé va choisir la voie laïque. Et dans ce cas-là, les options sont très maigres, parce que la majorité des grandes écoles laïques à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, c'est des écoles anglophones. Et donc, Charlotte Tassé, en effet, elle s'en va aussi à Notre-Dame, parce que Notre-Dame, c'est la première école francophone pour garde-malade laïque. Le garde-malade laïque, mais corrigez-moi, mais Charlotte Tassé ne va pas se marier ni avoir des enfants. Non, parce que c'est une exigence de la profession. Ah bon ? Oui, on ne peut pas, en tant qu'infirmière, en tant que garde-malade, pendant au moins la première moitié du XXe siècle, se marier et travailler. Donc à partir du moment où on se marie, une partie de ses sœurs vont faire ça aussi. Un peu comme les institutrices. Exactement. Elles se marient, donc elles quittent la profession. Donc elles sont des anciennes infirmières, elles deviennent des madames... le nom de leur mari, mais elle quitte la profession. Ah. Donc on ne peut pas, et il faut choisir entre la vie de famille ou se dédier
à la profession infirmière. Donc, exactement comme les institutrices de l'époque. Et donc, Charlotte Tassier a choisi la profession infirmière. Bah, là-dessus, on pourrait dire qu'elle marchait sur les pas de Jeanne Mance, jusqu'à un certain point, puisqu'elle aussi, elle, on l'oublie, mais elle était une laïque. Et elle va même aller plus loin, c'est qu'elle va se revendiquer de Jeanne Mance, elle va se revendiquer de la figure de Jeanne Mance, et elle va travailler aussi à faire reconnaître Jeanne Mance. C'est aussi à cette époque-là, mais on en parlera peut-être un peu plus tard, dans la première moitié du XXe siècle, qu'on va s'intéresser à Jeanne Mance. Il va y avoir des travaux biographiques sur Jeanne Mance, et Charlotte Tassé va encourager ces travaux-là, les publier dans sa revue. Elle est vraiment au cœur de l'idéal qu'elle se fait de la garde malade canadienne française. C'est une histoire qui, pour elle, commence avec Jeanne Mance et qui se poursuit avec elle. En effet, tout à fait. Voilà. Elle était l'héritière d'une longue tradition. Durant la guerre, Première Guerre mondiale, vous nous expliquez qu'elle va travailler plus pour des personnes. Elle va offrir ses services à des gens, on imagine, un peu aisés. Donc, elle ne travaille pas dans des hôpitaux au début. Non, et c'est du fait de la séparation dont je vous ai parlé précédemment. C'est que Charlotte Tassel se forme comme une infirmière laïque, donc de 1914 à 1917. Elle sort en 1917 avec son droit de pratique, si on peut le dire comme ça. Mais là, le problème, c'est que les hôpitaux, ils sont tenus par les religieuses. Ouais. Et donc, en tant que laïque, il n'y a pas vraiment de travail pour elle dans les hôpitaux religieux, parce que c'est là où, à la fois, il y a des étudiantes religieuses, infirmières qui travaillent, et aussi les religieuses hospitalières. Et donc, en effet, une des grandes voies de pratique qui s'offre aux infirmières laïques à ce moment-là, c'est de travailler à domicile, de travailler dans le privé, au service privé. Et donc, elle va, en effet, dès qu'elle sort de l'école, se dédier à aller voir des malades, donc travailler pour des malades pendant parfois quelques jours, parfois quelques semaines, parfois quelques mois. Donc, elle vient sur place à domicile et elle vit là pendant quelques mois. Donc, dites-moi qu'il y avait des agences de placement déjà à l'époque. Non, mais il n'y avait pas d'agence de placement telle qu'elle, mais il y a eu tout un travail auquel elle a contribué, de notamment donner à voir cette main-d'œuvre laïque. Et donc, par exemple, dans les premiers numéros de sa revue La garde malade canadienne française, elle va travailler pour qu'il y ait une liste des infirmières laïques qui sont disponibles en ce moment pour travailler, pour pouvoir les placer soit dans les hôpitaux quand c'est possible, ou soit dans le privé quand il y a des opportunités. Et tout de suite après la guerre, elle va poursuivre sa formation à New York. Alors pourquoi cette institution, parlez-nous de cette institution et quelle formation reçoit-elle, qu'elle n'a pas peut-être reçue à l'hôpital Notre-Dame? Oui, alors c'est un peu mystérieux tout ça parce qu'on sait qu'elle s'en va à New York, ça c'est sûr, elle s'en va à New York faire un stage de 6 mois dans un hôpital qui s'appelle le Bellevue Hospital, qui est un hôpital psychiatrique, qui est un hôpital général, mais qui a une part psychiatrique très importante. Donc ça, on sait ça. On sait aussi, grâce à sa correspondance qui est conservée ici à BNQ, qu'elle s'ennuie un petit peu dans son travail privé, dans son service privé. Elle passe des longs mois à Nicolet, par exemple, puis au chevet de la femme du gérant de la Banque nationale, puis elle s'ennuie. Elle l'écrit à sa sœur qu'elle s'ennuie un petit peu. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'elle s'en va? On ne sait pas. Elle racontera plus tard qu'elle avait réalisé à ce moment-là qu'elle voulait vraiment faire carrière dans le monde infirmier, qu'elle n'allait pas changer, et que donc, elle est allée chercher plus de contenu, plus de spécialisation, de formation. Et malheureusement, on ne sait pas. En tout cas, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a reçu comme formation. Mm-hmm. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a travaillé dans le Bellevue Hospital, qui est un hôpital, mais qui rejoint aussi différents hôpitaux, et qu'elle a probablement, vu ce qui lui est arrivé après, vu de la carrière dans laquelle elle s'est engagée ensuite, travaillé, et elle s'est formée à ce qu'on appelle le nursing psychiatrique, donc une spécialisation infirmière dédiée à la psychiatrie, qui en effet est assez inexistante au Québec alors, notamment parce que les grands hôpitaux psychiatriques sont tenus par les religieuses. Voilà, exact. Donc, elle revient à Montréal, et là, elle rencontre un certain Albert Prévost. Alors, on est en 1919, elle le rencontre, il a besoin de personnel, laïque. Parlez-nous de ce personnage, parce que son nom est toujours lié à une grande institution montréalaise. Parlez-nous de Albert Prévost. Il est très peu connu, finalement. Il est assez peu connu, en effet. Donc, c'est un médecin québécois qui va choisir de devenir neurologue, donc d'aller se former à l'étude des maladies nerveuses, comme on dit à l'époque. Et pour ça, il n'a pas grand choix que de partir. Et donc, il part en Europe, comme le font beaucoup de gens. Il va se former à Paris auprès des grands neurologues. Il y a toute une tradition de la neurologie parisienne. Vous connaissez probablement le nom de Charcot, au moins, qui hypnotisait les hystériques. Donc, il y a toute cette tradition-là. Qui existe à Paris. Et il va se former auprès de grands spécialistes, comme Dejerine, par exemple, qui est un spécialiste français, qui à la fois étudie les maladies nerveuses, mais met aussi en place des techniques de soins qui sont clairement de la psychothérapie. Et ça, c'est encore assez inédit au Québec, ça n'existe pas. Et donc, lui, il va se former là-bas, et quand il revient au Québec, il veut ouvrir un centre pour faire de la psychothérapie et pour offrir des soins qui ne sont pas offerts au Québec. Et donc, il ouvre un petit sanatorium
En tout cas, c'est son ambition. En 1919, le sanatorium va ouvrir en juillet. Mais au cours du printemps, il est à la recherche de personnel pour travailler dans cette institution-là. Et en effet, il semblerait qu'il l'appelle Charlotte Tassé. Il se rejoigne au téléphone d'une manière ou d'une autre. Charlotte Tassé va refuser. Parce que Albert Prévost cherche une infirmière qui a de l'expérience, qui potentiellement aurait plus que 35 ans et quelques années d'expérience. Charlotte Tassé, elle a 25 ans, puis elle a une toute petite année d'expérience en service privé, puis un petit peu de formation à New York. Et donc, Charlotte Tassé, elle va refuser. Elle a peur, en fait. Mais le médecin, Albert Prévost, va se montrer insistant. Il va l'appeler plusieurs fois, semble-t-il. Et elle va finir par accepter de rejoindre cette institution-là, mais seulement pour 2 semaines. Pour un essai de 2 semaines. Seulement 2 semaines, elle est passée combien d'années ? Elle y est restée 44 ans. 44 ans, donc finalement, peut-être nous parler de cet institut quand même. Alors, on a dit un mot d'Albert Prévost, mais juste en passant, une petite incise, mais c'est quand même le début en Europe de la psychanalyse. Mmh. Est-ce qu'il a potassé un peu ça ? Est-ce qu'il, ou on ne le sait pas ? Est-ce qu'il a un peu lu les travaux de Sigmund Freud à l'époque ? Pas tellement. Dans le sens où le courant psychiatrique, neurologique dans lequel il va s'inscrire est un petit peu différent de la psychanalyse, qui est encore quand même à ses débuts, véritablement en 1919, et qui ne s'est pas tant imposé que ça, mais on sait qu'il a, parce que sa bibliothèque a été conservée par l'Institut Albert Prévost, puis elle est maintenant conservée à l'Université de Montréal, il a des livres de psychanalyse dans sa bibliothèque. Donc ça, c'est sûr qu'on le sait qu'il l'a lu, mais ce n'est pas ça ses principaux. Le courant auquel il se rattache, son école, son église, ce n'est pas ça. D'accord. Alors, c'est une école de psychothérapie qui dit qu'il faut allier des traitements et qui met surtout l'accent sur la notion du repos. Il faut pouvoir offrir des gens des espaces de repos pour les apaiser parce que les troubles dont ils souffrent ne sont pas tendus à des enjeux psychanalytiques qui pourraient être des relations anciennes avec pour le caricaturer avec les parents, etc., mais qui serait en fait dû à une maladie clairement nerveuse. Les nerfs seraient irrités, mais le traitement qu'on offrirait, ce serait un traitement de parole et de prise en charge au calme. Et donc Albert Prévost, qu'est-ce qu'il va faire quand il décide d'ouvrir son institution de retour au Québec ? Il va trouver un terrain au calme. Donc il trouve un grand terrain boisé sur le bord de la rivière des Prairies, sur le boulevard Gouin, dans ce qui est alors encore quartier-ville. Et il va acheter cette petite maison-là, qui est une petite maison bourgeoise, plantée au milieu des arbres, pas très loin du bord de la rivière, parce que c'est au calme, parce que c'est un endroit calme, et c'est un endroit qui se veut apaisant, et il n'en fait pas un hôpital. Il garde cet aspect de la maison, parce qu'il veut que les gens se sentent comme à la maison quand ils sont pris en charge là-bas, parce que ça leur permet d'acquérir ce repos-là, de reposer leurs nerfs, et peut-être de pouvoir guérir de leur pathologie. Donc, c'est comme si on était dans un entre-deux, donc ignorer complètement ses fatigues, ses problèmes nerveux, et dire « moi, je suis fait fort et bon, on refoule ou on met ça sous le tapis », et l'enfermement presque carcéral, c'était de trouver une sorte de lieu où on pouvait se remettre sur pied. Tout à fait, puis à la fois la thérapie qu'il veut offrir, la psychothérapie, elle prend du temps, elle prend de la patience et de la discussion qui est longue. Donc c'est un traitement sur le long temps que ne permet pas forcément l'asile tel qu'on le voit, à la fois parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnel, il y a beaucoup de religieuses, mais il n'y a pas beaucoup de médecins dans un asile à ce moment-là, dans les grands asiles comme par exemple la Saint-Jean-de-Dieu à Montréal. Et puis surtout, il y a des milliers de personnes. Donc le psychiatre, si tant est qu'il vienne régulièrement, ce qui n'est pas vraiment le cas, il ne voit les gens qu'une fois tous les mois, tous les quelques mois. Donc, le suivi au long terme, au quotidien, n'est pas possible. Et en même temps, voilà, ce qui propose Albert Prévost, c'est autre chose. Sur les premiers dépliants publicitaires du sanatorium qui sont faits dans les années 1920, c'est clairement établi, puis c'est entouré, en gros, pas de maladie mentale. Donc, lui, il accueille des gens qui n'ont pas de maladie mentale, mais qui ont des maladies des nerfs, des maladies de la fatigue, ou même des maladies de la nutrition. On commence à s'intéresser à ces problèmes-là. Et clairement, il vise un tout autre public que les asiles, parce qu'il vise aussi des gens qui ont de l'argent. C'est un centre de soins privé, il faut payer sa chambre, et ça coûte un certain montant. Et donc, il offre aussi à des familles riches montréalaises ou des familles riches de la région de Montréal un espèce d'endroit où ils peuvent être au calme et où ils peuvent être aussi un petit peu en dehors de l'asile. Comme ça, on sait que les gens vont se reposer et qu'ils ne sont pas fous, parce qu'on ne veut pas les qualifier de fous, parce que les fous, ils vont à l'asile. Donc, il y a aussi tout cet imaginaire qui vient avec et duquel il veut se départir.
Et vous me disiez tout à l'heure en coulisses que c'est, la date est importante. C'est juste après la Première Guerre mondiale. Donc peut-être que parmi les premiers résidents, patients, il y avait des gens qui avaient été à la guerre aussi. On peut C'est le en tout penser. cas une véritable raison de l'ouverture de ce type d'institution, puis de l'émergence de la psychothérapie, de ce type de prise en charge. C'est les milliers de soldats qui, en Europe comme au Canada, vont revenir de la guerre. Avec, évidemment, il y a tous ceux qui ont des blessures physiques, les gueules cassées dont on a entendu parler, mais aussi tous ceux qui reviennent avec des séquelles psychologiques profondes et qui sont, voilà, qui peuvent pas reprendre leur vie normale en société. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Comment on les prend en charge? L'asile n'est clairement pas une option pour eux parce que c'est pas le type de soins qui est adapté. Donc, il faut ouvrir d'autres types d'accueil. D'autant plus que ces gens-là, ils sont amenés à vivre avec nous en société. Voilà. Et donc, ils sont beaucoup, et les familles sont aussi derrière eux pour dire, mais moi, je ne veux pas que mon mari ou mon fils ou mon frère qui est rentré de la guerre après plusieurs années, qu'il finisse dans un asile. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est, moi, je veux qu'il puisse reprendre sa vie normale, et donc, offrez-moi des services qui puissent les remettre sur pied. Alors malheureusement pour l'institution, son père fondateur, Albert Prévost, va mourir assez prématurément, quoi, 1929, 1926. 1926, donc quelques années à peine après l'avoir fondé, son sanatorium. Et là, Charlotte Tassé devient un personnage important. Peut-être nous raconter cette période de transition? Alors, Charlotte Tassé est déjà un personnage important dès le départ parce que donc elle est embauchée en septembre 1919 au sanatorium. Et de fait, c'est elle qui est là tout le temps. Donc elle est l'infirmière en chef. Puis elle va très rapidement, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir, ouvrir une école au sein du sanatorium, mais parce qu'elle a besoin de personnel aussi. Et donc c'est elle qui gère cette petite équipe. Mais les infirmières, c'est elles qui sont là tous les jours. Le docteur Prévost dont on parle, il travaille aussi à l'hôpital. Il enseigne à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, de la nouvelle Université de Montréal, parce qu'il a eu une chaire de recherche là-bas. Et donc, il vient au sanatorium seulement en fin de journée. Donc, qui est là au quotidien avec les patients? C'est les infirmières. C'est les gardes-malades, c'est Charlotte Tassé. Donc, de fait, elle s'est assez vite imposée comme le. Alors, c'est Édouard Montpetit qui parlera de l'âme de la maison, parce que c'était un ami d'Albert Prévost. Et donc, quand Albert Prévost va mourir, il va écrire un beau texte à ce sujet. Et donc, le jour où Albert Prévost meurt d'un accident de voiture, c'était un conducteur un petit peu cavalier, semble-t-il. L'histoire raconte qu'il aimait faire crisser les pneus de sa belle voiture En 1926. devant les graviers de l'Institut. Et donc, il a un accident revenant de nuit d'une consultation sur la route de Québec. Et donc, il meurt, en effet, très tôt. Il a à peine 40 ans. Et Charlotte Tassé se retrouve avec les deux autres médecins qui travaillent là, mais qui, comme le docteur Prévost, ne viennent que de manière sporadique à l'institution. Elle doit reprendre en main l'institution, et donc elle va le faire avec les deux médecins qui sont là, qui sont les docteurs Langlois et Langlois, mais qui ne sont pas frères, Édouard Langlois et Charles Langlois, et aussi avec la sœur de Albert Prévost, qui va venir aider, qui va venir apporter de l'argent aussi pour maintenir cette institution-là en place. Justement, alors, ce maintien de l'institution est un problème, c'est un enjeu. Périodiquement, il y a des enjeux financiers. Alors, comment va-t-elle s'y prendre pour assurer la pérennité financière de l'institution? Oui, c'est un gros enjeu parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une institution privée, donc dont le fonctionnement, le financement ne repose entièrement sur les patients qui viennent. Donc s'ils ne viennent pas, il n'y a pas d'argent pour payer le personnel. Et ce qui arrive malheureusement assez vite, c'est que, vous le savez, à la fin des années 1920 et au début des années 1930, c'est la crise économique. Et la crise économique, elle frappe très très dur le Canada, elle frappe très très dur le Québec. Et donc toutes les familles riches, en tout cas les familles aisées qui envoyaient leurs patients, qui envoyaient les membres de leur famille dans cette institution-là, bah, ils vont déserter un petit peu parce qu'ils n'ont plus les moyens, donc ils préfèrent les garder chez eux. Et donc le sanatorium, il a des difficultés. Et donc la stratégie de Charlotte Tassé, elle va être double. Elle va faire de la publicité. Voilà, elle va faire de la publicité dans les journaux médicaux, en disant bah, envoyez-nous vos patients. Toujours avec le même procédé, pas les malades mentaux. Alors ça, on le retrouve vraiment beaucoup. Donc la stratégie, c'est de dire qu'on ne veut pas de malades mentaux, mais c'est aussi de vanter les technologies qui sont utilisées, notamment les technologies électriques. On utilise des outils électriques à ce moment-là. Et donc l'électrothérapie est vantée. Donc on dit que c'est un endroit très calme, au bord de la rivière, une belle maison, dans lequel on offre des techniques de psychothérapeutiques et d'électrothérapie qui sont modernes et qui sont avant-gardistes. Donc à ce côté-là.
Et en même temps, elle va, tout au long alors c'est une histoire là qui porte sur plusieurs décennies, hein, mais elle va user notamment de ses contacts politiques, parce que c'est une grande, elle est très habile en politique, elle écrit tout le temps aux ministres qui viennent d'être nommés pour les féliciter de leur nomination. Elle sait très bien jouer de ces cordons-là, et donc elle est très proche notamment du gouvernement de Duplessis et de sa secrétaire Auréa Clouty, et elles vont être très proches, et donc elle va utiliser ces leviers-là pour permettre à l'institution d'être sauvée. Mais là, on est déjà en 1945, et je ne sais pas si on est rendu là dans notre histoire. Oui, mais c'est parce qu'on va parler de son travail, mais j'aimerais qu'on clôt cet aspect là de la stabilité financière, puis on revient sur la profession. Donc, il va y avoir vraiment beaucoup de malheurs. Plusieurs des médecins vont mourir dans des conditions assez rapides dans l'institution. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'à la fin des années 30, elle va simplement écrire au gouvernement en disant « on voudrait avoir un soutien du gouvernement Duplessis ». Donc à la fois de l'argent, mais aussi pouvoir changer le fonctionnement de l'institution, que ça devienne une institution à moitié publique, à moitié privée, ce qui permettrait en fait de recevoir de l'argent du gouvernement pour les malades indigents, pour les malades qui n'ont pas d'argent et qui vont être pris en charge par le bien-être social à ce moment-là, et en même temps de pouvoir toucher les subventions comme le font les grands hôpitaux, notamment tenus par les congrégations religieuses. Et donc elle envoie cette demande-là à la fin des années 30 au gouvernement Duplessis, d'autant plus que le sous-ministre de la Santé est un ancien interne. Il a fait sa formation à Albert Prévost, donc elle connaît déjà du monde. Puis elle est très proche d'Albini Paquette, qui est le premier ministre de la Santé, qui est le ministre de la Santé du gouvernement Duplessis. Mais malheureusement, la guerre défait le gouvernement Duplessis. Et donc le gouvernement Duplessis va revenir seulement en poste en 1944. Et donc c'est seulement en 1945 qu'elle va avoir l'autorisation du gouvernement de faire ce changement de statut officiel de son institution, qui va lui permettre de rentrer dans une nouvelle ère financière, parce qu'elle peut toucher de l'argent du gouvernement, et surtout, elle a une espèce de base de patients assurés qui est payée par le gouvernement. Mais est-ce que, juste pour clore ce dossier-là, est-ce qu'elle était mal vue des institutions religieuses qui pouvaient dire, nous, on fait ce travail-là, pourquoi donner l'argent à une institution laïque ou... Absolument pas. Il y avait complémentarité. Exactement, d'autant plus que Charlotte Tassé est très proche des communautés religieuses, elle travaille avec toutes les communautés religieuses, puis dans la conception qu'elle a de la garde malade canadienne française, ça inclut autant les religieuses que les laïques, même si elle représente les laïques. Donc elle est très très proche des congrégations religieuses, il n'y a aucun problème avec ça. Et puis, il y a en effet une complémentarité, les institutions religieuses, les grands asiles, touchent une population, s'occupent d'une population différente. Et en fait, les grands asiles, ils sont aussi très contents qu'il y ait d'autres institutions qui naissent, parce qu'ils sont, depuis le jour 1 de leur création, débordés par le nombre de malades qu'ils doivent accueillir et le peu de moyens qu'ils ont. Alors maintenant, parlons de son rôle comme pionnière de cette profession. En 1927, elle prend la direction de cette revue, j'ai souri, là, La Garde Malade Canadienne-Française, quand j'ai vu le nom. De quoi on parle? J'imagine que vous l'avez lu, vous avez bien fréquenté cette revue. Ah oui. De quoi on parle dans cette revue et quelle est sa fonction, sa mission? Donc, l'idée de la revue, c'est que, peut-être je fais un pas en arrière, c'est qu'elle va, elle va suivre une revue qui existait précédemment, qui s'appelle La Veilleuse, qui est créée en 1924, parce qu'en 1924 se crée à l'Université de Montréal un cours de spécialisation pour les infirmières. Puis avec ce cours de spécialisation vient cette revue-là, qui veut informer les infirmières de ce qui se passe, des contenus scientifiques nouveaux, puis aussi donner des conseils de pratiques infirmières. Puis cette revue qui s'appelle La Veilleuse va péricliter, elle ne va pas vraiment fonctionner, elle a du mal à recruter des abonnements, et donc les communautés religieuses, l'Université de Montréal et un certain nombre de gens qui ont des intérêts là-dedans vont se réunir en 1927 pour créer une nouvelle revue et proposer à Charlotte Tassé de prendre la direction de cette revue-là. Ils choisissent ce que ça s'appelle la Garde Malade Canadienne-Française, mais le but est un peu le même. Donc, il y a un but d'information scientifique. Donc, il y a des médecins qui vont écrire des grands articles sur des thèmes particuliers, sur des maladies, sur comment on doit les traiter, comment on doit les prendre en charge. Il y a des infirmières qui vont écrire dedans pour raconter leur vécu. Voilà, qu'est-ce que je fais quand je travaille, de se donner des conseils de technique, les meilleurs bandages pour telle et telle pathologie. Et puis, il y a toute une partie un peu plus institutionnelle où on donne des nouvelles des écoles de garde malade, on donne des nouvelles des hôpitaux, on donne des nouvelles aussi des examens qu'il faut passer parce que, à partir de 1920, la profession infirmière s'organise au Québec avec la création de l'Association des gardes malades enregistrées de la province de Québec. Et il faut que les gardes malades s'enregistrent pour avoir le droit de pratique, en tout cas c'est très conseillé, et donc ça vient avec des examens particuliers, il faut réussir ces examens-là pour pouvoir avoir ce titre-là, et donc elles vont aussi, la revue va aussi servir à ça, à former les infirmières pour mieux réussir
ces examens. Et donc, c'est vraiment un lieu, puis c'est défini comme ça dès le départ. L'idée, c'est à la fois de fournir du contenu scientifique, mais surtout d'unir les gardes malades canadiennes françaises, donc de réunir toute cette force vive qui n'est pas encore véritablement un corps professionnel, qui commence à l'être avec l'association en question, mais qui a encore tout ce travail à faire d'unification de son propre corps professionnel et surtout d'affirmation de son propre corps professionnel. Et donc la garde malade canadienne française, la revue, va servir cette double tâche de formation et information et surtout de reconnaissance, de dire au Québec, regardez, les gardes malades canadiennes françaises, elles existent, elles sont nombreuses, elles sont unifiées et elles ont une voix qui est portée par la garde malade canadienne française et un petit peu par Charlotte Tassé qui en est la directrice et qui dirige au sens propre du terme le contenu. Et elle-même va écrire, publier quoi, un éditorial Elle va écrire des éditoriaux, surtout quand il y a des problèmes. Elle n'hésite pas à prendre la parole. Je peux vous donner un exemple qui est, par exemple, en 1929, le Congrès international des infirmières, donc une réunion annuelle des infirmières à travers le monde, est accueillie à Montréal. C'est un gros événement, 6000 infirmières qui viennent à Montréal pour donc se réunir puis parler de la profession. C'est organisé à Montréal, en terre canadienne française, et il n'y a aucune francophone dans le comité d'organisation. Et donc, Charlotte Tassé, elle va prendre son bâton de pèlerin, puis elle va faire des éditos, elle va publier les lettres qu'elle échange avec le comité d'organisation pour dire c'est impossible qu'il n'y ait pas de francophones, il faut qu'il y ait des francophones, il faut que les gardes malades canadiennes françaises soient reconnues dans l'organisation de cet événement qui se passe en plus sur leur terre. Et donc, voilà, elle va mener cette campagne pour ça. Elle va réussir, ça va fonctionner. Et c'est grâce à la garde malade canadienne française. Et c'est tellement important que la garde malade canadienne française va organiser plusieurs réunions publiques pour mobiliser les infirmières autour de cette cause du congrès de 1929. Et la presse, le journal La Presse, qui assiste à une de ces réunions, voit devant l'effervescence et le monde présent, ils ont l'impression qu'il y a une nouvelle association d'infirmières qui naît. Donc ils publient un article en disant « une nouvelle association d'infirmières est née », ce qui n'est pas du tout le cas, ce n'est pas du tout ça qui est arrivé. Mais ils ont été impressionnés par la capacité de la garde malade canadienne française à réunir du monde. Et je vais oser ce mot-là, mais presque à jouer un rôle que pourrait jouer le rôle d'un syndicat professionnel. Et justement, ces congrès, il y en a plusieurs. Est-ce qu'elle va être amenée à voyager, à participer à ce type de congrès? Oui, tout à fait. La profession infirmière va s'organiser au Québec, mais elle s'organise aussi à travers le monde à ce moment-là. Et les congrès internationaux sont une occasion d'unifier les pratiques, d'aller voir comment ça se passe en Belgique, en France, en Angleterre, en Chine aussi, vraiment au Brésil, à travers le monde. Il y a vraiment des infirmières du monde entier qui viennent. Et de comparer les pratiques, d'essayer d'unifier les formations, voilà, et aussi d'affirmer la place des gardes malades, des infirmières, sur la scène des métiers du soin aussi. Et donc, en effet, le congrès de 1929 est à Montréal, mais ensuite, il va être à Paris, puis à Bruxelles, puis à Londres. Et donc, Charlotte Tassé, elle va suivre ça. Elle va à la fois y aller parce qu'elle représente les gardes malades canadiennes françaises. Souvent, elle vient, puis elle a un stand avec sa revue pour avoir des abonnements, puis pour aussi la faire connaître, mais aussi parce qu'elle est impliquée, puis qu'elle veut en savoir plus. Et elle a à cœur, depuis le début, je vous ai dit qu'elle avait ouvert sa première école en 1919, c'est-à-dire à peine un mois après être rentrée à Albert-Prévost, elle ouvre une école d'infirmière à Albert-Prévost, évidemment pour avoir du personnel, mais aussi parce qu'elle a cette ambition de former ses consoeurs. Et donc, elle veut leur fournir, et ça reste un leitmotiv dans toute sa vie, elle veut leur fournir une éducation de qualité. Alors, on a consacré plusieurs rencontres des figures marquantes à des figures importantes, on pourrait dire, du féminisme de cette époque. Idola Saint-Jean, Marie-Gérin Lajoie, Thérèse Cassegrain. Est-ce qu'on peut faire un lien entre justement l'affirmation d'une telle profession, l'importance qu'elle va accorder à une formation de qualité aux gardes malades de son temps? Et quel était son rapport justement avec ce féminisme émergent? Même si je le mets peut-être en guillemets, ce n'est pas tout à fait le même féminisme qu'on retrouvera plus tard, mais quand même, l'affirmation des femmes dans l'espace public. Alors, c'est un rapport que je dirais assez paradoxal parce qu'en effet, elle va défendre les infirmières, elle va les défendre très, très loin en disant qu'il faut que ce soit les infirmières qui gèrent les institutions, qui gèrent les hôpitaux, parce que c'est elles qui sont le mieux placées pour faire ça et pas forcément les médecins qui, eux, ont tout intérêt à venir traiter les maladies, mais peut-être pas à gérer vraiment les institutions. Donc, elle va aller très, très loin dans la défense des gardes malades. Mais pourtant, elle a une conception assez traditionnelle, voire traditionnaliste du rôle des femmes, de la femme, comme on disait à l'époque. Et donc, on retrouve aussi dans les cours de morale qu'elle va donner à ses infirmières, dans les textes qu'elle va publier à ce sujet-là, des conceptions très, très traditionnelles des rôles genrés, des rôles d'hommes et de femmes, et
Elle est tout à fait d'accord avec le fait que les infirmières doivent quitter la profession une fois qu'elles sont mariées. Elle ne remet pas vraiment ça en cause. Elle ne va pas chercher non plus à affirmer davantage le rôle féminin ou à ouvrir à ouvrir les rôles féminins au-delà d'être institutrice, être infirmière ou travailler dans une manufacture. Vous voyez, on ne retrouve pas ça dans ses discours. Ce qui l'intéresse, c'est de défendre sa corporation. C'est de défendre sa corporation et qu'elle puisse exister en tant que femme, évidemment. Mais ça passe un petit peu derrière le modèle de la garde malade canadienne-française. Parce que dans le féminisme de l'époque, en fait, notre collègue Karine Hébert, dans un article que j'avais trouvé très frappant, elle disait que c'est plus du maternalisme que du féminisme, au sens d'un féminisme d'égalité, hein, où on est homme, femme, on a les mêmes droits. Mais on justifie sa place comme femme dans l'espace public parce qu'on est une mère, parce qu'on a une essence différente de l'homme. Est-ce qu'elle était un peu dans ce type de discours? Alors, si on le voit comme ça, tout à fait, parce qu'à la fois, elle est dans ce type de conception dans laquelle les gardes-malades sont des femmes et des gardes-malades. Je vais le reprendre dans l'autre sens. Oui. Que les femmes doivent être des gardes-malades parce que s'il y a quelque chose dans l'essence féminine du soin, c'est un travail de femme, il faut que ce soit fait par les femmes parce que c'est lié à leur nature de femme. Mmh. Et en effet, pour elle, c'est un moyen aussi, en tant que garde-malade, le fait d'être garde-malade, c'est un moyen pour elle de s'exprimer sur la place publique. Ce qui n'est pas le cas des femmes de 1920. Et donc, qui s'exprime sur la place publique dans les femmes de 1920, c'est aussi les religieuses, par exemple. On peut, quand on est religieuse, faire entendre sa voix. Et c'est les gardes-malades. Et Charlotte Assé va jouer ce rôle-là. C'est-à-dire, moi, en tant que je suis garde-malade, je suis garde-malade canadienne-française, je représente ma corporation. Et donc, je peux parler publiquement, je peux écrire des articles, je peux me plaindre de choses. Je peux affirmer aussi mon amour du Canada français. Je peux faire tout ça, avoir une voix publique. Contrairement à toutes les femmes qui vivent à la maison. Alors, vous l'avez dit, dès 1919, dès son arrivée à l'Institut Albert-Prévost, elle crée, quoi, on imagine, une petite école, mais là, elle va creuser ce sillon en restant à l'Institut Albert-Prévost. Alors, parlez-nous de ce volet-là, de son travail, donc de créer un lieu pour former des infirmières. Vous avez dit, il n'y en avait pas beaucoup, il y avait l'hôpital Notre-Dame, il n'y en avait pas vraiment d'autres, ou très peu, mais elle a voulu en ajouter un, et d'un genre, j'imagine, un peu particulier. Alors, quelle est sa contribution plus pédagogique à la formation, et est-ce qu'elle, d'une certaine façon, est-ce qu'elle prépare la voie à celles qu'on appelle aujourd'hui nos super infirmières? Alors, en partie, c'est ce qu'elle aurait voulu faire, mais deux choses peut-être. La première, c'est qu'en effet, en 1919, quand elle ouvre sa première école, il n'y a pas beaucoup d'écoles. Il y en a dans les grands hôpitaux, mais il y a cette volonté de développer un certain nombre d'écoles à travers le Québec, puis ça va se faire. Mais donc elle ouvre cette école-là en 1919 pour former des gardes-malades comme elle, mais qui ont cette petite fibre pour travailler avec les malades nerveux. Elle explique que les malades nerveux sont des malades particuliers et que donc il faut leur offrir une formation un petit peu particulière. Mais tout en disant ça, finalement, quand on regarde le cursus de formation qu'il leur est offert, c'est que ça reste très classique. Donc, cette école-là, elle va durer de 1919 à 1947. Elle va former une soixantaine d'infirmières pendant toute cette période-là. Donc, c'est pas beaucoup, donc. C'est très représentatif des petites écoles de l'époque. Ouais. C'est-à-dire, en effet, c'est pas les grosses écoles comme Notre-Dame qui vont former alors parfois 3, parfois 5, 6, mais parfois 20. Mais elle a 3-4 personnes par année. Voilà. Est-ce que c'est des vraies formations ou c'est comme plus des stages? Non, c'est vraiment des formations qui durent 3 ans au complet. Il y a un cadre théorique vraiment établi, d'autant plus que l'association dont je vous ai parlé, l'association des gardes-malades enregistrés de la province de Québec, va définir un cadre plus clair pour que toutes les écoles suivent un peu un cursus similaire. Donc c'est une formation de 3 ans, à la fois théorique et pratique, qui couvre l'ensemble des domaines médicaux, quitte à envoyer les infirmières dans des hôpitaux annexes pour se spécialiser, par exemple dans les maladies infectieuses ou dans d'autres maladies. Puis elle va faire ça jusqu'en 1947, mais à côté de ça, elle a aussi à cœur de développer une formation parce qu'elle voit qu'il y en a de plus en plus besoin. Le sanatorium accueille une petite dizaine de patients au départ, puis très rapidement il va grandir et dans les années 50, il peut accueillir plus de 120 malades. Donc c'est aussi un hôpital qui va prendre une forme différente à partir des années 50. Et en même temps, avec tout ça, l'histoire de la psychiatrie évolue aussi et on voit qu'il y a de plus en plus besoin des infirmières. Parce qu'il y a un certain nombre de thérapies qui vont apparaître, les électrochocs par exemple, ce qu'on appelle l'insulinothérapie, donc on injecte de l'insuline aux gens pour leur faire faire des réactions. Ça demande des gens pour s'occuper des malades sur le long temps. Donc ça demande plus d'infirmières et des infirmières mieux formées. Et donc elle voit le besoin de développer une formation plus particulièrement psychiatrique. Donc ça c'est peut-être le deuxième volet. Elle va à partir des années 30 commencer à réfléchir et à mettre en place des formations
on dirait post-scolaire, un peu presque universitaire, pour former des infirmières uniquement en psychiatrie. Donc, des infirmières qui sont déjà formées comme infirmières, mais on va leur donner un cursus d'un an supplémentaire avec réalisation d'une thèse. Vraiment, c'est un travail très, très sérieux, uniquement sur la psychiatrie. Et donc, elle va créer ça en 1938, mais ça, il va y avoir quelques balbutiements, puis ça va vraiment exister à partir de 1953. C'est une formation qui va exister pendant plusieurs années, puis qui va former les premières infirmières psychiatriques reconnues par l'université, parce que l'Université de Montréal vient mettre son tampon là-dessus en disant « Nous, ça nous intéresse, puis c'est des infirmières dont le contenu de formation est validé. » Puis, le troisième volet de cet intérêt de la formation, c'est que il y a aussi un problème que vous connaissez encore, qui est toujours le même, qui est celui de la pénurie de main-d'œuvre. Il y a toujours eu des pénuries de main-d'œuvre dans le milieu infirmier, il y a toujours eu pas assez de monde sur le plancher, et ça, c'est un problème qui reste dans le temps, et c'est un problème particulièrement important après les années 40, pour beaucoup de raisons sur lesquelles je ne m'étalerai pas, mais on se rend compte qu'il faut qu'on forme des professionnels différents dans ces années-là. Et l'intelligence que va avoir Charlotte Tassé, c'est qu'elle va aller voir aux États-Unis comment ça fonctionne, elle va découvrir un métier à part entière, qui s'appelle aux États-Unis les Practical Nurses, puis elle va importer cette formation-là. C'est une formation beaucoup plus courte, où on forme des infirmières qu'elle va choisir d'appeler auxiliaires. Donc elle va créer cette formation d'infirmières auxiliaires en ouvrant à l'Institut Albert Prévost en 1950 la première école québécoise de garde-malade auxiliaire. Puis elle ne va pas seulement faire ça, mais ensuite elle va travailler avec le comité des hôpitaux. Pourquoi on dit auxiliaire ? On le dit auxiliaire parce qu'elle n'a pas les mêmes tâches que l'infirmière. Elle est formée moins longtemps, 12 à 18 mois, parce qu'on a besoin de monde sur le plancher plus vite. Et en effet, elle a des tâches un petit peu plus peut-être basiques, j'allais dire, que l'infirmière. Elle va assister l'infirmière, d'accord, elle va être l'auxiliaire de l'infirmière, okay, non, pour comprends. Prendre en charge les soins de base, pour prendre en charge, s'occuper du malade, le laver, l'habiller, etc., pour que l'infirmière puisse se consacrer à des tâches plus techniques pour laquelle elle a été formée. Et donc, elle va créer cette formation à l'Institut Albert Prévost, et ensuite elle va travailler avec le gouvernement du Québec pour répandre dans le Québec cette formation-là. Et donc elle va être celle qui va aller dans les hôpitaux à Montmagny, à Chicoutimi, un peu partout dans le Québec, pour dire, voilà, si vous voulez ouvrir une école de garde malade auxiliaire, voilà le mode d'emploi, clairement. Et en une dizaine d'années, il y a des dizaines d'écoles à travers le Québec. Un modèle clé en main. C'est un modèle clé en main, et elle vient elle-même valider sur place que ça se passe bien, etc. Et c'est vraiment. Et donc, elle crée la profession à proprement parler. Et ces écoles étaient rattachées à des hôpitaux ? Oui. L'idée, c'était de rattacher à des hôpitaux et surtout à des petits hôpitaux, parce que ces petits hôpitaux-là, qui étaient déjà un petit peu partout sur le territoire québécois, grâce aux communautés religieuses, ils n'avaient pas forcément de centre de formation adapté. Et il manquait encore plus de personnel qu'à Montréal aussi. Et donc, on va très, très vite voir que ce modèle-là d'infirmière auxiliaire, il marche particulièrement pour les régions. Parce que c'est là qu'on en a besoin et c'est là que ça va marcher le plus qu'à Montréal, en fait. Donc, une femme qui assure la pérennité d'une institution qui s'appelle l'Institut Albert Prévost, qui existe toujours, une femme qui est une pionnière dans la formation des gardes-malades et des infirmières. On arrive dans les années 50 et toute cette contribution-là est reconnue. Mmh. Et sa fonction, son poste, quel est son poste exact, son titre durant les années 50, c'est quoi? C'est directrice de l'Institut Albert Prévost? Oui, elle est à la tête du conseil d'administration, parce qu'une des très belles choses qu'elle a fait en 1945, quand elle a changé le statut de l'institution, c'est qu'elle en a profité pour organiser l'institution autour de deux choses. Le conseil d'administration est entièrement féminin. Ce ne sont que des femmes qui sont à la tête de cette institution. Des femmes laïques? Des femmes laïques, infirmières ou non, ou anciennes infirmières. Mm-hmm. Donc, il y a que des femmes. Et là, on est dans les années 50. Là, on est en 1945. En 1945. Ouais. Et derrière, il y a un bureau médical qui travaille pour ce conseil d'administration-là, qui, lui, est évidemment entièrement composé d'hommes. Mais le conseil d'administration, donc les grandes directions que prend l'institution, la gestion même de l'institution au quotidien, c'est le travail uniquement de ces femmes-là. Et donc, Charlotte Tassé, avec sa compère, dont je ne peux pas taire le nom, qui s'appelle Bernadette Lépine, avec qui elle va travailler de 1926 jusque dans les années 60, elles vont vraiment être un binôme particulièrement efficace. Donc, elles sont toutes les deux directrices et directrices adjointes du conseil d'administration de l'Institut Albert Prévost. Et clairement, c'est elles qui mènent la barque de l'Institut Albert Prévost. Et elles ne font pas simplement faire perdurer cette institution dans le temps, mais elles vont la développer comme institution particulièrement avant-gardiste qui va s'imposer comme un centre de soins et de formation psychiatrique d'avant-garde au Québec. Excusez, juste pour être clair, elle est présidente du CA, mais elle est aussi chef des opérations. Elle est comme PDG. Exactement. Voilà. Ça veut dire la même chose. Oui, voilà, c'est ça. Puis
Clairement, elle habite là. C'est-à-dire, sa chambre est là, elle vit dans l'Institut Albert Prévost et elle s'occupe de tout ce qui est la gestion de l'institution. Et puis c'est ça que peut-être qui va amener à certaines tensions avec les médecins plus tard, c'est que elle a tendance aussi, parce qu'elle l'a fait pendant longtemps, à aller voir comment on s'occupe des patients et parfois à donner un petit peu son avis. Bah oui. Et justement, alors 1957 arrive un jeune psychiatre qui a fait les grandes écoles. Il était au Boston, Paris. Il s'appelle Camille Lorrain. Dans votre texte que vous nous avez envoyé, vous parlez du loup dans la bergerie. C'est donc dire que ça va mal aller entre les deux. Alors d'abord, parlez-nous de Camille Lorrain. Vous dites que vous l'avez bien étudié. On connaît le Camille Lorrain, responsable de la loi 101, ministre, etc. Mais ce Camille Lorrain-là, qui a été assez bien étudié par son biographe, Jean-Claude Picard, qui a fait un bon tour d'horizon de cet aspect-là de sa carrière, mais est moins connu, évidemment, pour le public. Alors parlez-nous un peu de lui et expliquez-nous pourquoi il va y avoir un clash entre lui et Charlotte Tassé. Donc Camille Lorrain, après avoir abandonné la prêtrise, il s'engage dans des études de médecine. Il devient médecin en 1950, puis là, il part se former comme tous les psychiatres de l'époque aux États-Unis, puis en Europe. Donc il va aux États-Unis à Boston pendant quelques années, mais la guerre de Corée le rattrape, il est obligé de fuir en France pour ne pas faire le service militaire. Et donc il va se former en France à la psychiatrie et à la psychanalyse surtout, qui est encore assez mal vue au Québec, même si elle est déjà un petit peu implantée. Et donc, il revient en 1957 à Montréal grâce à un monsieur qui s'appelle Wilbrod Bonin, qui est le doyen de la faculté de médecine, puis qui, depuis le début de sa formation avec Camille Lorrain, l'a accompagné. Parce que Camille Lorrain est un homme brillant, est un psychiatre brillant, est un étudiant brillant. Et Wilbrod Bonin, il a vu tout de suite le potentiel de Camille Lorrain. Et il a vu notamment son potentiel et son envie de réformer la psychiatrie québécoise. Donc, il lui a confié déjà cette mission d'aller voir ce qui se passait à Boston, d'aller voir ce qui se passait à Paris pour peut-être rapporter des idées et changer les choses au Québec. Donc quand Camille Lorrain il arrive en 1957 au Québec et qu'il rentre à l'Institut Albert Prévost comme psychiatre, il a clairement l'ambition, ça fait plusieurs années, il l'a écrit dans des textes, de changer la psychiatrie québécoise qui pour lui semble en retard par rapport à la psychiatrie de l'époque ailleurs dans le monde et notamment la psychiatrie anglophone. Est-ce qu'il a un peu raison ? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Par rapport à ce qui se fait ailleurs. Par rapport à ce qui se fait ailleurs, la psychiatrie française est aussi très en retard par rapport à la psychiatrie québécoise, donc ça dépend de quel point de vue. Mais en effet, il a cette ambition, notamment, de mettre fin aux grands asiles, en tout cas de transformer les grands asiles. Puis là-dessus, il a raison, et en effet, le Québec, là-dessus, n'est pas encore très en avance. Mais quand il arrive à l'Institut Albert Prévost, il a aussi cette ambition, et c'est pour ça que j'ai appelé ça le loup dans la bergerie, c'est qu'il a les dents longues, Camille Lorrain. Il a les dents... C'est un homme ambitieux. Exactement, c'est un homme ambitieux pour lui-même, mais aussi pour le Québec et pour la psychiatrie québécoise. Ouais. Et il va se retrouver à l'Institut Albert Prévost, et l'Institut Albert Prévost ne correspond pas vraiment à ce qu'il veut changer. Ce n'est pas un asile, c'est pas... au contraire, c'est déjà un centre d'avant-garde qui est très ouvert à ce qu'il fait, c'est-à-dire lui de la psychanalyse. Et donc ça devrait fonctionner. Mais il a les dents longues, il veut prendre le pouvoir, donc il va y avoir de la chicane très très vite, déjà avec l'ancien directeur scientifique qui s'appelle Karl Stern, qui est un psychiatre, un psychanalyste très connu, allemand, d'origine allemande, et donc il va quitter. Et donc Camille Lorrain va être mis à sa place en tant que directeur scientifique, et ensuite il va commencer à avoir de la chicane avec les deux gardes-malades qui sont à la tête de l'Institut, Charlotte Tassé et Bernadette Lépine, pour des raisons qui sont des raisons de caractère, on va se le dire clairement, c'est deux personnalités très fortes. Camille Lorrain a un programme, il a un agenda, il veut réformer les choses. Charlotte Tassé, elle ne va pas se laisser marcher sur les pieds par un petit jeune qui vient d'arriver alors qu'elle, ça fait 40 ans qu'elle est là. Donc il y a très clairement une question de personnalité, puis tous les rapports qui vont être faits ensuite pour raconter cette histoire-là le dit bien. Mais il y a aussi, je ne saurais pas comment le dire, mais ce n'est pas seulement ça, c'est qu'il y a aussi deux visions peut-être de la psychiatrie qui s'opposent, et deux visions qui... Camille Lorrain, je vais le dire autrement, Camille Lorrain va avoir tendance peut-être à nier l'héritage de Charlotte Tassé. Il va avoir tendance à renvoyer Charlotte Tassé du côté, et c'est, il va le dire un petit peu comme ça, d'une grande noirceur de la psychiatrie, en l'accusant de ne pas être au fait de la science, de ne pas offrir des traitements qui sont à l'avant-garde de la science et d'avoir une conception un petit peu ancienne de la psychiatrie, et que lui proposerait de transformer ça et d'offrir cette formation de la psychiatrie. Or, on sait que ce n'est pas vraiment vrai, parce qu'au contraire, on a vu que Charlotte Tassé, elle allait se former à l'international, qu'elle était toujours au fait des connaissances de son époque. Mais Camille Lorrain, il a pour ambition de transformer la psychiatrie en général et la psychiatrie en général au Québec. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à des communautés religieuses qui ont des grands asiles et qui accueillent des milliers de malades dans des conditions
plus que discutable. Ça, c'est, on va dire c'est ce qui est quand même assez vrai. Le problème, c'est que Charlotte Tassé n'est pas religieuse, elle n'a pas d'asile, et elle, au contraire, elle prend des malades en charge avec, de manière particulièrement adéquate et avant-gardiste. Mais elle va un petit peu subir là, cette vague-là. Donc, ce n'est pas la bonne cible, à la limite, c'est, pour Camille Lorrain. Ce n'est pas nécessairement la bonne cible. C'est la bonne cible parce qu'il veut prendre le pouvoir dans l'institution dans laquelle il est, parce que pour lui, son plan, puis l'idée qu'il a de la psychiatrie, c'est que c'est les psychiatres qui doivent décider pour la psychiatrie. Et donc, si on veut faire avancer la psychiatrie, si on veut faire avancer la prise en charge des malades qui ont des troubles de santé mentale, il faut que ce soit les psychiatres qui dirigent, et non plus les vieux neurologues, comme dans le temps, et encore moins des religieuses ou des infirmières. Et donc, il faut mettre à la tête des institutions les psychiatres, puis c'est ce qu'il va proposer pour Saint-Jean-de-Dieu, par exemple, le Grand Asile, puis ce qu'il va faire à l'Institut Albert-Prévost, en prenant le pouvoir sur l'Institut Albert-Prévost, par un moyen assez stratégique qui est de lancer une commission d'enquête, en fait, de pousser le gouvernement Lesage à faire une commission d'enquête sur l'Institut Albert-Prévost dans le but de prendre le pouvoir et d'écarter les infirmières de cet institut. Le temps file. Alors, comment quitte-t-elle l'institut et il nous reste 3 minutes. Quels sont ses derniers... Malheureusement, elle est vraiment mise de côté par cette commission-là. Donc, elle va démissionner au début du lancement de la commission. La commission va mettre Camille Lorrain à la tête de l'Institut, puis va lui donner un poste qui est plutôt honorifique à Charlotte Tassé. Donc, elle va garder ce poste de directrice, mais qui est très honorifique. Puis, on est en 1964. Sa compagne de toujours, Bernadette Lépine, est décédée. Elle commence aussi à se faire un petit peu plus âgée. Et donc, elle va continuer un petit peu à se tenir au courant, mais elle va s'écarter de l'Institut. Et puis, au début des années 70, sa santé va devenir plus chancelante. Elle va avoir pour dernier objectif de prendre tous les archives de sa vie puis de venir les confier à la Bibliothèque nationale. Donc, toutes les archives qu'on connaît de Charlotte Tassé aujourd'hui, c'est parce que c'est elle qui les a placées à la Bibliothèque nationale. Puis ensuite, elle va mourir en 1974, à un moment où, à la fois, Camille Lorrain est partie de l'Institut parce qu'il est parti en politique dès la fin des années 60, mais aussi à un moment où l'Institut en fait a périclité, le plan de Camille Lorrain n'a pas marché, l'Institut ne fonctionne plus bien, il y a eu des batailles de pouvoir, il y a eu des dysfonctionnements, et donc un an avant que Charlotte Tassé meure, l'Institut Albert-Prévost est placé sous tutelle de l'hôpital du Sacré-Cœur qui est juste à côté et devient son pavillon de psychiatrie. C'est la fin de l'institution autonome qu'elle a été depuis 1919. Et puis avec elle, très rapidement, c'est la fin de Charlotte Tassé. Alors merci beaucoup, Alexandre Klein. Merci, M. Bellard. Merci beaucoup. Merci.